Salut Mazuki. Salut, salut. Ah. Tant que l'information arrive au cerveau. Salut, salut. Yo dire, yo béni. Vous n'avez pas les alertes? Ou bien vous les avez, vous, et pas moi. Il y a peut-être moyen que... 1, 2, 1, 2. Ouais, il y a peut-être moyen que vous les ayez, et pas moi. Yeah. Purtif de fou, bah bien sûr, mec. Bien sûr. Petit stream soum soum, là. Mec, t'es en train de réfléchir et plein de choses. Plein de choses. Plein de choses en tête, frère. Ça boue, ça bouille. Faut agir. Attends, j'ai pas le chat. Faut que je mette... Faut que je me connecte. Mec, je suis dans une époque où je fais que écouter Olivier Rodrigo. Et j'aime trop, frère. J'aime trop. J'aime trop. Alors. Login with Twitch. Copie. Passe login info. Ok, c'est bon. Je suis connecté. Je suis connecté à Chatterino. Il devait y avoir plein de trucs qui sont sortis maintenant, mais je suis pas au courant, frère. Je suis pas au courant des derniers trucs UP. Il devait y avoir tellement de trucs. Et de moi, c'est cette époque où tu écoutes que ça. Ah, c'est longtemps que j'écoute que ça. Alors là je suis en train de spammer ce son là, le son qui vient de passer. Et sinon, le son que je sèche vraiment, c'est celui-là. Mec, quand je te dis que je le sèche, genre je fais que écouter ça. Je fais que écouter ça. Depuis quand? Depuis 2 semaines. Ouais, je pense que ça doit faire 2 semaines. Yo, t'es Gero. Yo, ref. Comment ça va? Comment ça va? High school. Yes, Wiz. Putain, les anciens, ça fait plaisir. Je crois que t'avais oublié, mais non. Mais non, Laura, comment je t'oublierai? Pistache mou. Ouais, j'ai. Comment ça a vite poussé? Genre, ça veut pas pousser sur les côtés, frère. Genre, j'ai une ligne de là à là. J'ai 2-3 poils ici. Genre là et là, et là j'en ai. Mais genre, rien ici, rien ici, rien ici, rien ici. Genre, frère, comment tu veux faire une vraie barbe avec ça? Comment tu vas avoir un minimum de crédibilité, frère? J'ai 30 ans dans un an. Et tu vois pas de barbe. C'est chaud, frère. Frère, j'étais allé à la piscine. Il y a des mecs qui ont 19 ans. Ils ont 4 fois plus de barbe que moi, frère. Ça ressemble à un bouc pistache. Ouais, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et là, je suis en train de lire un livre, frère. C'est David Goggins. Celui qui fait Who's gonna carry the boat, son? They don't know me, son! They don't know me, son! Genre, il est trop fort, frère. Le livre est bien. Le livre est vraiment bien. Et c'est inspirant. Et genre, il se rasait la tête tous les jours. Genre, j'ai envie de faire ça. Genre, pas me raser la tête, mais me raser la moustache et la barbe. Genre, barbe. Moi, c'est. Tu vois, genre, ça fait clean. Ouais, il y a des trucs, genre, vraiment, ils véhiculent un message. Bah, tout dans la vie, frère, ça véhicule un message. Genre, tout ce que tu fais, c'est pas pour le faire. C'est pour l'action, tu vois. Genre, par exemple, je sais pas, ranger, faire la cuisine, faire la vaisselle. C'est pas genre pour l'action de le faire, c'est pour le fait de prendre soin de soi, de prendre soin de son environnement, de faire un truc, de régler les problèmes autour de toi. Genre aussi insignifiant qu'il soit, frère, faire la vaisselle c'est pas la fin du monde, enfin avoir de la vaisselle c'est pas la fin du monde. Et tu vois, ça véhicule un message. Et si tu répètes des informations encore et encore et encore et encore et encore et encore, le message il s'inscrit profondément. Jusqu'à genre que t'aies la motivation pour faire plus. Genre l'automatisme, parce que genre tu vas prendre soin de toi, faire une action... majeur pour prendre soin de toi. Genre faire un truc conséquent. Genre par exemple prendre une grosse décision. Genre c'est beaucoup plus facile quand t'as 500 messages derrière toi qui véhicule le fait de prendre soin de toi, tu vois. Salut Godzitoon. Salut Susarun Keketa. Je l'ai comme blaze. Je l'ai, mec. C'est vrai que t'aimes bien, c'est que t'as pas le choix. De quoi? Comment ça? Ah, j'ai pas les alertes. Du coup je sais pas ce qui se passe. Attends, est-ce que si je fais propriété avancée. Mec, on est dans des trucs hyper poussés là. Je vais faire en sorte que quand vous ayez les alertes, je les entende aussi. Je sais pas comment ça se fait pas de base. Monitoring, honnêtement. Attends. Monitoring est sorti. Ok. On est sur un truc. Est-ce que je peux relancer une alerte? Puisque je suis mortel. Bon, le son est incroyable. Et ce son que j'aime bien aussi. Good for me. Des petits sons de lycéenne américaine. J'aime bien, je suis dans la période lycéen, le petit son de lycéenne américaine. Non, en vrai, j'écoute. J'écoute surtout ça. Non, en vrai, je regarde mes derniers trucs, ça va. Ça va. Il y a du Hairstyle, Lana Del Rey, Ryan Gosling. Oh! Oh, je sais pas si vous avez vu Barbie. I'm just Ken. Incroyable ce son, frère. Incroyable. On n'entend pas non plus. Ah, c'est bizarre. Pourtant, il y a le niveau qui fait chou 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 chou. Alors ça, le Hunger Fist, ouais, c'est l'idée, mais c'est large, l'Hairstyle.
Évidemment, tout ce qui fait boum boum, c'est du hardstyle. Et quand ça fait trop boum boum, j'imagine que c'est de l'hardcore. Mais quand ça fait... début boum boum... Non, je sais pas comment... De l'EDM qui fait boum boum. Et l'EDM, ça fait déjà boum boum. Frère, délimiter l'hardstyle, c'est super dur. Hein. Genre dire c'est quoi l'hardstyle, je sais pas, c'est de la boum boum, frère. Hardstyle, en vrai, c'est mélodique de fou. Ouais, frère. Genre, quand tu mélanges les... Everyone sees a friend. I'm just Ken. Incroyable, c'est son frère. Behind the ten. C'est la BO de Mortal sur Netflix. Oh, ça me tente vraiment pas, frère. Enfin, j'ai vu la bande de The Mortal et je sais pas quand ça s'est sorti. Bon, ça me tentait pas, frère. Merci Ilir pour les 19 mois, putain. Mec, est-ce que les courbatures là? Les pecs congestionnés, les courbatures, ça fait du sport, hein, c'est du sport, je peux te les garantir, mec. T'es pas grave que tu m'aies appelé Laura? C'est bon. Je savais que ça allait être trigger. Merci de Note Define pour les 7 mois aussi. À la tienne. Petite gorgée de thé, frère. Je savais, mon prime est passé sur un streamer random espagnol, je sais même pas c'est qui. Pourquoi, frère? Wesh. Clique sur des lives au hasard et tu le lances sur le prime. Tire la bave entièrement pour le reset, je suis si vilain. J'étais si vilain, je suis pas sorti, j'ai spam lol. Mais non, frère. Frère, faut assumer sa tête. Assumer sa tête. Normal, ta tête normale sans barbe. Après, genre, vraiment, si tu trouves que t'es mieux avec barbe. Alors, c'est vraiment le rasage qui t'a prouvé qu'il fallait pas que tu te rases. Cette musique a créé quelque chose de mauvais, les gens qui s'identifient à Ken. Il y a vraiment des gens qui s'identifient à Ken. Genre, c'est tellement une parodie, Ken. Genre, c'est la première fois qu'il y a un film de Ryan Gosling, et je me dis pas, genre, c'est littéralement moi. Tu vois les mimes, he's literally me. Genre, frère, je... Tous les films de Ryan Gosling, frère, que des bangers, que des bangers. Quel acteur de fou. Genre, t'identifies à Ken. Ah, frère, c'est vraiment, genre, la parodie la plus nulle qui soit. Genre, ils ont essayé de faire le stéréotype le plus nul qui soit. Et genre, c'est Ken. Genre, s'identifier à ça, je comprends pas. Après, genre, la Mojo Dojo Cuckoo House ou je sais pas quoi là. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Programme de ce soir. Ça va se branler, frère. Non, je suis dans une. Je suis un truc. Ça s'appelle Monk Mode. Genre, tu te fixes des règles pendant X temps. Et l'une des règles, c'est pas regarder porno. Moi, je peux me branler, mais sans porno. Et genre, je vous invite à faire la même chose. Genre, ne pas regarder de porno. Genre, vraiment, c'est un truc qui m'a le plus niqué niveau estime. Fuck le porno, frère. Fuck ça. Faut qu'on se ligue là-dessus. Le Taleb. Un mec à l'ancienne, toi? Frère. Fais ça à l'imagination, frère. Je pense. Je visualise. Je me commémore. Ouais, frère, au moins, genre, frère, tu te retrouves pas à regarder des trucs dégueulasses, à genre, à te dire, est-ce que je suis vraiment en train d'apprécier ça? Est-ce que ça me fait vraiment kiffer, ça? Genre, quand t'as fini, t'es vraiment là en mode, vidéo, elle tourne toujours, t'es là en mode, putain, je me dégoûte, ça m'intéresse pas du tout, j'aime pas du tout, j'ai pas envie, genre, ouais, frère, en vrai, j'imagine, y a les gens... Enfin, je sais pas, j'imagine... quelqu'un de normal ne va pas dans des extrêmes. Enfin, regarde pas des trucs trop bizarres. Mais si tu regardes des trucs bizarres, faut vraiment arrêter, frère. Faut vraiment arrêter. Quoi ça, Sardush? Il y a quoi, Sardush? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Ça se passe? Il est sur quoi? Sur un rush league? Sur un rush Elden Ring? Sur un rush... échec? Ça dit quoi? Achetez-vous une fléchette, c'est une dinguerie. Ah, je sais pas, devoir la nettoyer, frère. Genre, t'as un bout de plastique plein de muspère. Tu dois le retourner, tu dois le nettoyer, c'est... Je suis pas très fan de l'idée. Et surtout d'avoir ça qui traîne chez moi, frère. Ouais. Tu vois, genre, tu le mets où, gros? Tu le mets où? Sur ta table de chevet? sur tes étagères? Dans ton tiroir de... J'ai déjà mis des trucs dans mon tiroir de... Tu vois, j'ai un tiroir de caleçon, un tiroir de chaussettes, et un autre tiroir qui sert à rien. J'ai déjà mis des trucs dans ce tiroir qui sert à rien. Mais...
Ah, c'est Mia Ezreal. Ah ouais, putain, il y a un pote qui m'a envoyé ça. C'est Mia Ezreal. Frère, il a vu la lumière. Hein. Ezreal, c'est le meilleur champion, gros. Full sport, chest busting, il est devenu graphite. Ah ouais. Putain, propre. Stylé, ça. On doit pour lui, mec. Bien d'être fit. Bien d'être fit. Je suis le même chemin. Pas le chest busting. Le chest busting. Pas le chest busting, mais on suit le même chemin, frère. Lui, c'est le perso le plus bien sur LoL. C'est le perso avec le plus de potentiel aussi. Alors c'est une dinguerie tout ce que tu peux faire. Genre tu peux toujours jouer agressif. C'est le perso avec lequel tu peux être le plus agressif. Dans de manière continue. C'est incroyable, frère. Moi, le perso est trop bien. Ce que League of Legends a fait de mieux, frère. Après, il y a des champions genre qui sont vraiment bien. Mais genre, c'est par intermittence. Tu vois, genre, c'est par à coup. Là, il y a beaucoup de moments où ils sont nuls. Par exemple, Harry, LeBlanc, Victor. C'est les trois qui me viennent à l'esprit. Et vivant. Et ouais, Parex. Je suis vivant, mec. Je suis vivant et bien portant. Et ah, ça va bien, frère. Ça va bien. Mais gros, genre. Je sais pas, je me pose un truc. Faudrait. Faire un stream. Pour en parler. Mais bim, j'ai lancé. Mais tu vois, c'est. Il y a plein de. J'ai plein de trucs en tête. Genre, je suis en train de bouillir, frère. Genre. Jure, j'ai. Bah, faut que je fasse quelque chose! Faut que je fasse quelque chose, frère! Genre. Impression de rien branler! Genre, j'ai fait 42. Ah ouais, je vous l'ai pas dit ça. J'ai fait 42. J'ai fait la piscine de 42. C'est sympa. Genre, c'est assez dur à faire en ayant un taf à côté. Genre, du coup, pendant 2 semaines, j'avais un taf et après, j'ai posé 2 semaines. Dont 1 semaine sans solde. J'ai touché 1 semaine de salaire de moi, frère. J'ai posé 1 semaine de salaire sans solde pour aller coder toute la journée. Et ouais, faut être motivé, hein. Faut être motivé. Et du coup, je fais 42, c'est vachement cool. J'ai un peu pris comme des vacances, comme une colonie de vacances. C'était très sympa. Alors, c'était vraiment pas compliqué. Je m'attendais à être beaucoup plus stimulé intellectuellement. Mais au final, à niveau code, j'ai amplement le niveau pour faire un mois d'initiation. Genre, ça fait 1 an que je code, du coup, j'espère que le mois d'initiation, j'ai le niveau. Et du coup, à part pour un sujet particulier, à savoir le backtracking, un sujet que je connais pas du tout. Genre, il n'y a aucun moment où j'ai réellement été stimulé intellectuellement. Sinon, c'était néanmoins une très très bonne expérience. Genre, du coup, j'ai vraiment beaucoup codé et c'était vraiment sympa. C'est vraiment très cool. Genre, vraiment, j'ai beaucoup kiffé. C'est pas 42, hein. Du coup, on verra, frère. On verra si je suis accepté. Mais ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Après, genre, le problème, c'est que si je suis accepté, genre, je pourrais pas faire le cursus en moins de temps que les autres. Genre, ils en auraient rien à branler que j'ai un taf. Je vais avoir les mêmes deadlines. Parce que 42, genre, il y a un truc qui s'appelle le black hole. T'as un temps précis pour avancer dans les projets. Et tu gagnes du temps à chaque projet que tu fais. Et si tu fais pas de projet, le temps passe et t'en gagnes pas. Et quand il arrive à échéance, t'es expulsé. T'es viré de l'école. Du coup, avoir un taf et faire assez de projets pour ne pas être expulsé, c'est quand même un sacré challenge. Surtout si je dois stream en même temps. Un bootcamp à peu près, ouais. C'est un examen qui s'appelle la piscine. Ça dure 1 mois et c'est 1 mois de code. Gratuit. C'est gratuit par contre, à la différence d'un bootcamp. Et c'est du C. Et ouais, c'est. Bah, je pense que c'est la définition d'un bootcamp. Hein. Juste 7 jours sur 7. Y'a pas de week-end. Comment ça se passe la vie, comment tu t'en racontes? Mec, ça va trop bien, hein. Mais je sais pas. Ça va bien et ça va mal en même temps, parce que genre, tu vois, spirituellement je vais mal, mais genre, mentalement, physiquement, socialement, professionnellement, genre, tout va bien, tout est trop cool. Oui. Hein? Oui. Et merci Lolo, merci pour le prime, merci pour le 3 mois. La tienne. T'es à dit quoi les 5500 lignes de code? Ah, passe bien. Je me rends compte de m'éloigner d'informatique, perso ça m'a bousillé le cerveau. Pourquoi? Qu'est-ce qui bousille le cerveau dans l'informatique? Genre, facile, c'est cool, c'est stimulant, c'est épanouissant, frère, c'est trop cool l'informatique. Non, c'est incroyable, hein. Genre, hormis le stream, il y a que deux domaines dans lesquels genre je me suis vraiment épanoui et kiffé, c'est le code et le développement et le montage vidéo. Genre, c'est à la fois genre ultra technique et ultra créatif. Du coup, genre, c'est trop cool. Vraiment, c'est un truc qui lie les deux. Genre, la technicité et la créativité, c'est trop bien, frère. Spirituellement, dans la religion, genre. Non! Genre, en mode, tu vois, mon âme. En mode, mon âme.
Et pas la religion, non. Pas la religion, frère. Du coup, les 5500 lignes de code. Ouais, genre. J'ai déjà écrit. Il y a eu un projet à 42. Genre, tu vois, c'est le projet final. On est censé faire à deux, je l'ai fait tout seul. Beau gosse que je suis. On est censé le faire en 3 jours, je l'ai fait en 1 jour. Gros beau gosse que je suis. Et frère, genre, c'est pendant 8 heures. Je me suis posé derrière un PC et j'ai tapé sur le clavier. Et genre, il y a des moments où je tapais des pauses pour réfléchir, mais sinon, genre, je tapais. Et genre, au final, j'ai écrit genre 450 lignes. Genre, vraiment 450 lignes sans aucun copier-coller. 450 lignes caractère par caractère sur un projet. 450 lignes en un jour, c'est vraiment vénère. Et j'ai eu 0. Et c'était cool. En vrai, c'était vraiment cool. Genre, non, c'est niveau code la meilleure expérience que j'ai eu de 42. Parce que le projet était super dur. Et j'avais pas un temps illimité. Et je voulais le finir, je voulais le faire, je voulais y arriver. C'est trop cool. Quand t'as eu 0 ? Bah, en soi, il y a les 10% meilleurs à peu près de l'examen qui font le projet. Il y a 8% des 10 meilleurs qu'ils valident, genre qui ont plus de 50. Et les tests sont super durs, genre ils te demandent 800 trucs. Et du coup, j'avais un peu la flemme de faire les 800 trucs. Tu vois, il faut gérer ce cas, il faut gérer ce cas, il faut gérer ce cas, il faut gérer ce cas. Et moi, j'ai juste fait le projet. Tu vois, genre, j'ai fait le projet. Genre, le projet avait une problématique, j'ai répondu à cette problématique. Mais tu vois, genre, tous les trucs annexes, je les ai... Enfin, non, je crois que j'en ai fait un ou deux. Mais tu vois, il y en avait 6 ou 7. Genre, j'avais pas du tout la foi. Je me suis dit, tranquille, j'ai rendu quelque chose, c'était cool et tant pis. Mais ton truc est vraiment intéressant. Bah, c'est cool. Non, c'est cool. En plus, tu vois, c'était trouver le plus gros carré dans un tableau de largeur sur longueur. Genre, tu vois, t'as un caractère obstacle et un caractère vide, et tu dois trouver le plus grand carré de caractère vide. Et du coup, ça, c'est un problème connu, genre de matrice de 0 et de 1. Et du coup, j'ai trouvé la solution sur Internet. Genre, vraiment, je regardais des Indiens m'expliquer la solution de ce problème mathématique. Et genre, j'étais en mode, putain, c'est incroyable. Et genre, pour faire simple, la solution, c'est que n'importe quelle case est égal au minimum de la case en haut, la case en haut à gauche et la case à gauche plus 1. Genre le minimum de en haut à gauche plus 1. Et du coup, dans une matrice de 0 et de 1. Du coup, si t'as 0, 0, 1, ça fait minimum c'est 0, du coup tu places à 1. Si c'est 0, 0, 0, le minimum c'est 0, tu places à 1. Si c'est 1, 1, 1, le minimum c'est 1, tu places à 2. Et t'appliques ça à tout le tableau et du coup, après tu trouves le plus grand nombre. C'est... Mais genre vraiment la preuve mathématique de pourquoi c'est égal à ça, genre je l'ai pas du tout, hein. Ça doit être des maths super poussées. Et ouais, j'ai pas cherché à faire la preuve mathématique, hein. J'ai juste pris la solution et l'appliquer c'était dur, mais c'est cool. Du coup, quand il y a vraiment la pression des profs, vu qu'il n'y en a pas, il y a pas vraiment de pression des profs. Ouais, mais il y a la pression de se faire virer, parce que genre t'as un temps limité pour faire ça et t'as un peu la pression de tes pairs parce que t'es dans des projets avec eux. Et si tu fous rien, bah tu les mets dans la merde et ils vont te mettre de la pression. Comment tu l'as décrit, j'imagine 150 gigs puants en train de coder 15 heures par jour dans un immense open space. Je pense que c'était à peu près 80 places. Genre je dirais 80 places. Il y avait 6 étages sur 2 bâtiments. Ouais, je crois que c'est ça. À peu près 6 étages sur 2 bâtiments. Et il y avait tout. Hein. Il y avait des gigs puants. Il y avait des gens plus âgés, genre tu vois des gens de 18 ans à je pense 60 ans, hein. Il y en a bien un ou deux qui avaient cinquantaine passé, hein. Et il y avait de tout, hein. Genre pas mal de filles, pas mal de gens de je sais pas de tous les types, ouais, genre c'était pas vraiment un type de personne, genre, tu vois c'est cool, c'est très varié. Combien de projets par an environ? Ça dépend de l'envergure et ça dépend de à quel point t'en es, mais je dirais 15 la première année. Entre 10 et 15 la première année, ça me paraîtrait pas énorme. Enfin, peut-être un peu moins, entre 6 et 10 la première année. Sur un truc totalement nu pour rendre quelque chose, ça t'évite de te faire virer, non? Non, j'ai une idée, t'es fou. Salut Agathe, merci pour les 16 mois.
merci beaucoup. You. J'espère que ça va. Merci, merci. Plaisir. C'est continuellement le crâne sur quelque chose qui me plaisait pas. C'est juste pas possible pour moi. Ça te plaît vraiment pas, frère. Ouais, faut pas forcer, hein. Genre, vraiment, l'informatique, c'est facile. Il faut aimer ça. Genre, parce que si vraiment ça t'horripile, frère, si t'as vraiment zéro prédilection avec Internet, avec les ordinateurs et avec tout type d'informatique, genre, vraiment, faut pas forcer, hein. Genre, ça horripile. Genre, ça va être trop dur. Et tu vois, genre, si t'es capable de faire ça en 8 heures, genre, c'est trop facile, frère. C'est cheaté. Pensez toujours en affichant des cigarettes. Ouais, frère, bien sûr. Jamais reprendre. Et mec, en plus de l'abstinence de cigarettes, je vous ai parlé d'un autre problème de manière récurrente dans les streams. Surtout, genre, je l'ai montré pas mal en stream. Et mec, t'as bientôt faire 2 mois que je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Une seule goutte. Et je peux te dire, ça change la vie, hein, putain, ça change la vie. Tu vois la démarche derrière le projet de l'école 42? Bah, c'est stylé, hein, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. T'arrives à avoir un peu de temps pour toi avec tous ces projets? Oh, je sais pas ce que c'est du temps pour moi, frère. C'est quoi du temps pour toi? Je sais pas. C'est quoi du temps pour toi? C'est fou ça. Ah, c'est dur, hein, parce que j'étais vraiment alcoolique, hein. Vraiment, genre, en mode, je me sentais mal et je me sentais énervé et j'avais besoin d'alcool. Et genre, vraiment, quand ça faisait, je sais pas, 18h que j'avais 0 g d'alcool dans que j'avais ingéré 0 g d'alcool, genre vraiment j'étais tendu et je me disais il faut que je boive. Putain, les premières semaines n'ont pas été agréables, hein. Mais au bout d'un mois ça a bien passé. Et au bout de 2 mois, je commençais à me sentir bien. Genre j'ai réaffronté mes pensées, parce que la raison principale pour laquelle je buvais, c'était pour pas avancer. En mode, tu vois, genre, c'était dur d'être tout seul. C'était dur de me focus dans quelque chose parce que j'avais toujours des arrière-pensées qui me ruinaient, qui me faisaient sentir trop mal. Et du coup, genre, j'anesthésiais ça avec l'alcool et ça me permettait d'être anesthésié et du coup de pouvoir m'intéresser à moitié dans n'importe quoi. Alors tu vois, je pouvais stream, regarder un truc, jouer à un jeu, sortir avec des gens, alors que... Genre, sur le moment, ça me faisait pas trop kiffer, mais juste, genre, tu vois, j'étais anesthésié et, genre, tu vois, c'était cool, c'était agréable. Et genre, j'ai spammé ça pendant plusieurs semaines. Genre, moi-même, genre, j'ai quand même beaucoup bu, hein. Et, genre, tu vois, le moment où j'ai arrêté, j'ai dû refaire face à ces pensées et c'était super dur. Parce que il faut... Genre, quand tu te réfugies dans une addiction à cause d'un problème, quand tu arrêtes cette addiction, il faut non seulement affronter le problème qu'elle t'arrivait pas à faire face au début, mais en plus... affronter le sevrage. Et c'est dur, hein. Putain, mais... Je sais pas. Ça s'est fait, frère. Ça s'est fait. Tout c'est cool. Tout lui. Comment ça va, mec? Comment ça va, mon ref? Comment tu fais pour les 5 sans alcool? Mec, en plus, 42, j'ai pas pu... Pendant un mois, j'ai pas pu faire de 5. J'en ai refait un ce samedi, c'était trop cool. Oh, j'ai trop kiffé. Alors, vraiment, le petit 5, là, les petits dribbles, les petits... Passe, papa, c'est trop cool. C'est trop cool. De nombreux grands poètes l'ont décrit. T'as dit quoi, frère? Comment ça? Et ouais, ça fait vraiment plaisir. Genre, je pense que je vais... Là, je pense que je suis parti pour 6 semaines sans alcool, jusqu'au 15 novembre. Et après, je reprendrai d'une manière modérée. Alors là, je me suis vraiment fixé un objectif pendant 6 semaines. Genre, je suis sérieux. Pendant 6 semaines, je suis vraiment diligent et je fais attention à moi et je fais du sport tous les jours et je mange bien, je mange pas au resto, enfin, où je limite les fois où je mange au resto, et si je mange au resto, je mange sain et plein de trucs. Genre, sûrement, je me suis fixé un protocole, frère. Faut être déter. Et c'est jusqu'au 15 novembre. Et après, on verra. Après, je pense que je vais faire quelques soirées, faire quelques verres avec des potes et juste profiter un peu, mais avec modération. Et ça, c'est un gros problème que j'ai. Je sais pas faire les choses avec modération. Moi, je suis vraiment dans le tout rien, frère. Genre, faut que j'arrête de faire ça. Tu te rends le mieux dans ta tête, corps possible, et qui tend vers le fait d'être heureux. Ouais, du coup, je prends beaucoup de temps pour moi. Bah, je sais que prendre du temps pour moi. Hein. Genre, littéralement, toute ma vie, c'est prendre du temps pour moi. À part être au taf. Genre, mais toutes mes soirées, tous mes week-ends, c'est prendre du temps pour moi. C'est ce que j'ai envie de faire, et c'est comment j'ai envie de le faire, et c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Genre, littéralement, tout, c'est du temps pour moi. Mais c'est aussi, genre, le plus productif. Parce que
prendre du temps pour moi, selon ta définition, c'est être le plus productif. Ça peut être tes projets qui correspondent au temps pour toi. Mais ça peut particulièrement être des moments pour faire du sport, voir ton chat. Je sais pas comment expliquer autrement. Ouais, des moments où j'ai des câlins à mon chat. Ouais, bien sûr, mec. Et ouais, faire du sport et voir des potes de temps en temps. Je sors beaucoup moins qu'avant. Il y a une période où je sortais énormément, mais je sors vraiment beaucoup moins maintenant. Et je me sens pas plus mal, hein. Je me sens pas plus mal, frère. Oh, du coup... Je n'ai jamais su t'aimer. Du coup, c'est cool. Ouais, je fais du temps pour moi. Je sais pas, une fois un projet, là. Le King. Ah, mec. Comment t'as fait dans le live, plus tard? Continuez, je t'ai déjà, frère. Alors, je suis bien en CDI, là. Mais je sais pas, frère. Moi, c'est la question, hein, parce que... Oh, c'est vraiment le problème, là. Mec. Tu vois comment dire ça, genre... Vraiment, c'est pas stimulant, gros. Genre... Je sais pas, le dev, c'est incroyable, mais... Mais genre... Je sais pas si c'est tous les tafs. Je pense que c'est une très grosse partie des tafs. Et genre... Que ce soit les tafs dans le dev ou dans les tafs de manière générale, je pense qu'il y a moins ce problème même dans le dev. Genre, frère, c'est pas stimulant, hein. En mode... on donne un jour pour faire une tâche... Genre, la tâche prend pas du tout un jour, mais tu l'étales sur un jour parce que t'as un jour pour la faire. Et genre, frère, genre, c'est. Tu vois, c'est facile. Genre, c'est. T'as pas énormément à réfléchir, t'as pas vraiment énormément à solliciter, tu vois, toutes tes capacités à aller chercher des informations, tes capacités à réfléchir, tes capacités à évoluer en terrain inconnu et à absorber un nouveau concept. Genre, t'as pas à faire ça parce que. Il y a la plupart des trucs qui se ressemblent. Genre, c'est juste appliquer ce que tu sais. Et je sais pas. Non, je sais pas, frère. Hein. Alors. C'est pas. Je suis vraiment en train de me dire. Là tu vois, c'est 3 mois que je taf. J'ai fait 5 mois de stage et 3 mois de taf. Du coup, ça fait quand même un petit moment là. Ça fait pas 2 semaines. Genre. Mais gros, genre vraiment, c'est pas stimulant. Et genre. Vraiment passer 9 heures. Genre vraiment je me réveille et genre je fais ça toute la journée. Et genre c'est pas dur. Genre j'ai pas à tryhard. Genre juste tu vois c'est facile, je suis posé, c'est facile, genre mec, vraiment j'aime pas, hein. Vraiment j'aime pas du tout. Alors je sais qu'il y a des domaines qui sont super durs dans le dev. Genre il y a des domaines qui sont vraiment tu te fais traiter comme de la merde et tu bosses beaucoup plus et tu gagnes beaucoup moins, comme le jeu vidéo par exemple. Et tu vois ça m'intéresse. Non seulement c'est du jeu vidéo. En plus tu bosses plus, en plus c'est technique, et en plus c'est un domaine intéressant. Genre là ça m'intéresse, mais tu vois genre faire la transition du web au jeu vidéo ça se fait pas tout seul. Et ça me ferait kiffer. Mais je t'avoue là rester dans ce que je suis, rester là où j'en suis et juste évoluer dans le domaine pendant plusieurs années, je me vois pas du tout faire ça. Hein. Je sais pas, le web c'est l'un des trucs les plus lucratifs, mais je pense pas que ça m'intéresserait de rester là-dedans. Genre j'ai besoin d'un truc où... J'ai besoin d'un truc qui soit vraiment dur. J'ai besoin d'un truc où genre je suis réfléchi tous les jours. J'ai besoin d'un truc où t'es challengé tous les jours. Genre je vais essayer de pousser les limites de mon taf parce que là j'en suis qu'au début quand même. Genre je dis que ça fait un moment que j'y suis, mais je suis quand même qu'au début, genre, de manière générale, de ma carrière. Genre je vais essayer vraiment de pousser les limites de ce que mon taf est capable de m'offrir. Genre je vais essayer de pousser plus, je vais essayer d'optimiser mon temps pour faire beaucoup plus de veille informatique et d'essayer de progresser. Comme ça je peux faire les trucs encore plus vite et encore mieux et demander des tâches qui sont beaucoup plus dures. Genre je vais vraiment essayer de grind, mais je sais pas, je pars d'une manière très défaitiste. Genre je vais grind, mais je pars d'une manière défaitiste en mode je trouverai pas ce que je veux dans ce domaine. Vraiment. En face à des gros nerds qui pensent à avoir la réponse à tout, ça doit être dur dans le live gaming. Je sais pas, ça dépend. Je pense que ça va vraiment dépendre des équipes. Hein. Généralement, les devs sont très sociables et genre kiffent bosser ensemble. Je sais pas de l'expérience que j'ai. Hein, genre, je m'étonnerais de tomber sur des gros enculés. Dans ta boîte, frère, ouais, je pense que c'est la solution. Hein. Vraiment, c'est un truc auquel je pense énormément. Et je vais y aller. C'est gentil, mec. Gentil. Et je pense.
Hacking, je pense vraiment que c'est ce qu'il me faudrait. Mais là, il me faut un projet, gros. Là, je suis en train de dépérir spirituellement. Là, vraiment, avoir une journée où tu produis rien, gros, genre ça. Je te jure, ça me fatigue. En mode, je suis en pleine forme. Je suis capable de. Je pourrais soulever des montagnes. Je pourrais courir des. Je sais pas, je pourrais courir des marathons, frère. Et. Genre, je suis là à rien foutre. Genre, ça me. J'ai l'impression de mourir intérieurement, gros. Je te jure, genre. Genre, bon, le taf, il y a deux jours, là, les deux jours, putain, ils m'ont assommé, frère. M'ont assommé. Le burnout, c'est aussi puissant que le burnout hors troll. Il y a un mot pour ça. C'est vrai que c'est bien. Hein. C'est bien précis, hein, le burnout. Mec, c'est vraiment super précis. Hein. Je ne connaissais pas. Et ouais, c'est le mot parfait. Hein. Genre, hey, gros, il faut. Je sais pas, mais. J'en ai déjà. Ça date depuis 6 semaines. Genre, j'en ai parlé à mes supérieurs il y a 6 semaines de ça. Et du coup, je vais continuer. Hein. Je vais voir ce que ça donne. Hein. Yomidi. Ah, mec, t'as toujours pas 19 ans là? T'as eu 19 ans en plus. Change ton place, frère. Tu as ma dernière année de cours. Merci Laline pour le sub. 4 ans 48 mois. Ah, j'ai plaisir de te voir, mec. Merci beaucoup pour le sub, gros. Tu as ma dernière année de cours. Là, j'ai des projets. On me donne 3 mois pour les faire alors que je suis capable de les faire en une semaine si je vais tryhard. Donc, je branle quasiment rien. Ah, gros, c'est. Ça s'appelle la loi de Parkinson. J'ai appris ça aujourd'hui. Qui. Non, la tâche qui t'est donnée s'étalera sur le temps qu'on t'a donné pour la faire. Alors par exemple, si on te donne une semaine pour faire une tâche qui pourrait te prendre un jour, elle va durer une semaine. Si on te donne 3 mois, elle va durer 3 mois. Genre, faut combattre ça, faut pas se laisser faire. C'est pas parce qu'on donne 3 mois qu'il faut laisser 3 mois. J'imagine pas le travail où il va se passer la même chose. Ouais. Mais gros, je suis pas sûr que, à moins que tu fasses des trucs de baiser, je pense pas que le monde du travail sera vraiment différent. Ouais, dans ta tête, tu te mets en mode compétitif? Dans le taf? J'ai pas compris. Je pensais que t'as fait dans la tête, tu fais ça parce qu'il y a zéro journée, c'est pas stimulant. Ouais, j'y ai pensé. Genre. Et tu vois, ce serait. Excessif, non, de quitter quelque chose que je connais pas, que je découvre à peine, pour un autre truc que je connais pas. Ouais, genre, je suis dans un truc, autant l'explorer un peu. Genre, peut-être au bout de 3 ans, si vraiment 3 ans j'ai commit et j'ai cherché ce qu'il y avait. Gros, dans le dev, là justement, j'ai tenté 42 pour faire du bas niveau, pour faire du C. Il y a plein de trucs. J'ai envie de faire du C++, j'ai envie de faire du Go, j'ai envie de faire du Rust. Et je me dis pas que la seule chose qu'il y a dans le dev, c'est le web PHP et JavaScript genre, que je connais. Genre, en plus, c'est super précis ce que je fais. Genre, c'est du Silus, un framework de Symfony. Il y a Symfony, un framework de PHP. Et Silus, qui est un framework de Symfony. Genre, c'est super précis ce que je fais. Après, je fais Next, qui est une surcouche de React. Et React, qui est un framework de JavaScript. Genre, vraiment, c'est super précis. Et du coup. Je peux pas juger la totalité du code sur des trucs aussi précis. Yonaito. 12 novembre, mais 19 ans. Ok. J'ai l'impression que ça fait une éternité que ça se place, frère. J'ai hâte de te voir, j'espère que tu vas bien avec ton taf. On parlait ça, justement. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Camilla. J'ai 21 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, frère. Fais plaisir, mec. Plein de bonheur à toi, plein de réussites, plein de petites go là. Ou de petits mecs. Je sais pas, mec. Je juge pas. Hein. Et j'ai dit ça. Ce qui te plaira, Profite bien, mec. Ça passe vite et quelle évolution. Mec, vraiment, ça me. Bah. Je me sidère un peu ce que le chemin que j'ai parcouru en 2 ans, mais en même temps, frère, ça m'apaise pas du tout. Genre l'envie que j'ai de changer les choses. Tu vois, je me dis pas, ouais, putain, j'ai fait des bons trucs là, ouais, bien joué. Vas-y, on va se taper une queue, on va regarder un porno, on va ouvrir une bière, on va se poser sur le canapé, on va regarder, je sais pas, frère, The Boys, et. On va rien branler et ce sera content. Oui. Parce que genre, ouais. Là, on sera content parce que là, sur les 2 dernières années, j'ai bien bossé.
Oh non, je me dis pas ça, je me dis putain. Salut Kevin, ça fait longtemps. Bouger. Genre, comment ça. Frère, je me dis, genre, il faut se bouger. Genre, mec, j'ai été genre inerte pendant des années et des années. Et là j'ai enfin un potentiel normal. Genre, j'ai enfin une énergie normale. Genre, je me réveille, j'ai de l'énergie, j'ai envie de faire des choses. Genre, impossible que je reste à rien faire. Genre, vraiment. Oh, j'essaie de jouer aux jeux vidéo, mais ça me. Je sais pas, ça me. Vraiment, je me dis. Je me fais chier, tu vois. Genre, je me dis, genre, faut que j'accomplisse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Mais par contre, je me dis, si je le partage, si on le fait en stream, là, ce serait complètement différent. Parce que là, je ferais quelque chose. Et je ferais quelque chose qui me fait kiffer, je ferais quelque chose de productif, et je ferais quelque chose que je trouve cool. Stream et partager des jeux vidéo, aller vivre avec des gens. Et du coup, c'est différent. Du coup, je pense que, au lieu d'essayer de jouer aux jeux vidéo tout seul de mon côté, que j'ai pas fait pendant 12 ans. Alors je vais essayer de le faire en stream. Non, pas pendant 12 ans. Depuis 2016. Du coup, depuis 8 ans. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Ouais, c'est ça, 8 ans. Nous, le petit Slipknot là. Les amours en ce moment, c'est comment? Je t'avoue, c'est pas du tout dans mes pensées. Mais ouais, ça passe pas mal. Mais c'est pas une priorité. Surtout, genre, je considère beaucoup les amours comme un truc qui t'éloigne. Mec, je parle vraiment comme un VNCTR là. Genre, comme un truc qui t'éloigne de la productivité et du fait de se bouger le cul. Genre, tu vois, c'est un truc qui va t'apporter du confort. Qui va te dire que là, je suis bien là où je suis. Et tu vois, genre, ça va probablement être quelqu'un qui va dire « Ouais, t'es bien là où t'es. Ouais, t'en fais assez. T'as pas besoin de faire plus. » Et qui va juste vouloir se poser avec toi et regarder des films et aller au resto, frère. Genre, mec, je te jure, ça me tente pas du tout. Hein. Genre là, j'ai vraiment, si j'ai une relation, il faudra vraiment que ce soit quelqu'un qui me pousse à faire plus. Et du coup... Bah, je suis bien tout seul. Mais après, pas fermé au fait de faire quelque chose. Je trouve que c'est un homme, il va te pousser. Ah bah, c'est vrai. S'il y en a un qui passe là. S'il y a un mec, je sais pas, avec qui ça vibe. Et il pourrait me pousser. Ah mec, je suis ouvert à tout. Ça me paraît juste pas très plausible, mais. Je suis pas contre l'idée. Hein. T'es fiancé aux Wiz. Putain. Wesh. Ça quitte le cocon familial et ça se fiance. Putain, ça en fait des états, frère. Hein. Félicitations. Hein. Félicitations. On est sûr de faire des failles de temps en temps. C'est trop bien les failles. Oh, quel banger les failles. Vraiment, gros. Frère, t'es là. Tu fais des pas, tu fais des drills, des fentes de corps, des appels. Frère, tu fais une montée. Genre t'as l'impression d'avoir couru le terrain d'Olivier Tom, frère, et genre après tu restes en défense pendant trois actions en essayant de récupérer ta respiration après une montée, frère. C'est incroyable, c'est incroyable. T'as pas goûté au basket entre amis? Non, jamais goûté. Jamais goûté à ce délice. Mais sans être sous claqué, c'est trop fun. Ouais. Ah mais je suis sûr, il n'y a pas un 3 points qui est mis. Et s'il y a un 3 points qui est mis, comment ça doit hurler? Comment ça doit hurler, frère? C'est vrai que ça doit être cool, les... Les baskets. Ça doit vraiment être cool. Peu d'eau, là. Je vais faire un nouveau Assassin's Creed en stream. Là, je l'ai fait dans l'ordre, moi. Je suis pas encore passé au prochain. En stream, on avait fait Brotherhood, Révélation et le 3. Non. Brotherhood, Révélation et le 2. Brotherhood, Révélation et le 2. Et là, il y a le 3 à faire. Voilà, après Révélation, c'est le 3. Yo, rire. J'ai dû faire 1.25 en 5v5. Quoi, 1.25? Mec, tu me parles de vocabulaire de basket, je comprends rien. De Team Jibs. En vieillissant, t'as pas cette conscience de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un? Ah, construire quelque chose tout seul, c'est cool. Je me disais pendant un moment que la seule chose
à faire, c'était de construire quelque chose avec quelqu'un, parce que j'étais incapable de construire quoi que ce soit tout seul. Là, gros, je suis en train de prendre conscience de ce que je suis capable de faire de mes 10 doigts. Et je me dis, oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Genre, tu fais des petits trucs, tu fais des gros trucs. Ça prend forme, frère, c'est incroyable. Genre, avant, ouais, je me disais, genre, la seule solution, c'est de trouver, c'est de faire quelque chose avec quelqu'un, parce que y a que ça de vrai. Y a que ça de vrai, y a que s'investir avec quelqu'un, créer des souvenirs, aller en voyage, je sais pas, aller au resto, je sais pas, dormir ensemble, déménager ensemble, genre vraiment, y a que ça de vrai, du coup, c'est tout ce qui comptait pour moi. Mais genre, dès que j'ai perdu ça, dès que j'ai rompu, genre vraiment, je pensais qu'à revenir vers ça. Genre, je me disais, je suis en train de perdre mon temps et genre, il faut que je retrouve ça. Mais plus le temps passe, plus j'ai fait ma paix, frère. Plus je me suis dit. Bah, j'ai des choses à faire tout seul. Hein. C'est incroyable, gros. Quand je vois ce que je suis capable de faire tout seul, quand je vois ce que je mets en place, quand je vois les trucs que je fais, genre juste les relations que j'ai pu créer, genre qui sont non amoureuses. Parce que tu vois, genre, je me rends compte que tu pouvais créer des choses, genre autrement que par amour. Et tu vois, ça peut te paraître bizarre dit comme ça, mais enfin, ça peut te paraître simpliste, enfin, et évident dit comme ça, mais je m'en rendais pas compte. Et tu vois. Juste d'avoir eu des amis et tu vois je les vois de temps en temps et je parle de temps en temps et tu vois créer des relations sur c'est bien aussi frère. C'est banger, c'est cool. À 3 points, 25 tentatives à rentrer. T'en as rentré un. Putain. Oh quel gros 8. Mec t'as dû sentir comme les Brown James frère. Ça doit être incroyable frère. Mettre entre points, ça doit être stylé. Hein. Un dragon pour l'aide, c'est pas petit. Ah, mais frère. C'est rare les gens qui sont pas en couple juste pour l'être. Tu vois. C'est rare. Laisse au temps faire son taf. Laisse au temps faire son taf et focus ça sur. Premier en premier lieu. Il n'y a pas de premier lieu, hein. je focus sur moi-même. Je me dis pas genre, ouais, quand je ferai bien, je serai établi, je trouverai quelqu'un et ce sera bien. Genre, ouais. Je me dis pas ça, frère. Ouais. Je me dis juste, il y a moi et on va voir, frère. Genre, chiesh le BGG. Je sais pas, faut se bouger le cul, genre. Ça me démange, il faut que je fasse des trucs là. Mais. Je sais pas, frère. J'avoue, c'est pas dans mes plans de construire quelque chose là. Mais je suis pas contre le fait que ça arrive. Genre si ça arrive par hasard. Genre ouais je suis grave chaud. Mais tu vois je vais pas chercher ça. Genre par exemple tu vois à un moment quand je disais genre il faut que je trouve quelqu'un. Il faut que je rencontre quelque chose. Tu vois genre j'étais sur les applis de rencontre. Mais genre depuis j'ai tout next. Genre vraiment je suis pas retourné depuis des semaines. Et j'ai aucune envie de le faire frère. J'ai envie de le faire. En tout cas je cherche pas. Genre, vu que je vais pas énormément en soirée, je risque pas de trouver. Mais ça me dérange pas, frère. C'est vraiment pas un truc qui m'est nécessaire, une relation. Très bien. Comme ça. En mode me, myself, and I. Ouais, frère. Je te jure, c'est banger. C'est cool. C'est vraiment cool. Il commence enfin à y avoir un peu de self-love, frère. En mode, je me dis, putain, genre, toi, c'est cool d'être moi, mec. Je me dis vraiment, des fois, c'est cool. Je me dis pas en mode, putain, c'est incroyable d'être moi. Je me dis vraiment, tu vois, je me sens bien dans mon corps. Et je me sens bien dans ma vie. Et je me dis, putain, c'est cool. Je sais pas, il y a juste des moments où je me sens bien, frère. Et c'est un truc de fou. Hein. Je te jure, c'est... J'avais jamais ressenti ça avant. Enfin, si, j'avais ressenti, genre, de la manie. Genre, quand je faisais des épisodes maniaques, genre, j'étais en mode, la personne la plus incroyable du monde, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je peux pêcher n'importe qui, je peux arriver à n'importe quoi. Mais tu vois, c'était de la manie, genre c'était un trouble mental. Et du coup, j'ai déjà ressenti des choses similaires, mais là, tu vois, c'est sain. Du coup, c'est complètement différent. Genre pendant un moment, je me demandais, est-ce que je suis malade, genre, est-ce que je suis en train de faire des épisodes maniaques. Et je pense pas. Je prends confiance en moi. Et merci, Louis, pour les 59 mois. H-Y-P-E-R-C-L-A-P. Le cœur sur toi. Merci Hugo pour les 34 mois consécutifs. T'avais pas dit non? Merci beaucoup. Cœur sur toi aussi. Cœur coréen. Enfin, japonais. Moi, ça en fait des années. Eh ouais, 7 ans.
Ça a changé, ah gros, ça a changé. Hein. Oui. Comment c'est... Ah. Jean Wizak aussi, les 57 mois. Consécutif. Consécutif. Ah, c'est énorme. Merci beaucoup. C'est 57 mois consécutifs. 8 ans. 8 ans que ça dure. C'est plaisir. Hein. Ah, tu m'en auras vu, hein. On aurait vu tous les trois des Ikebi différents. J'espère que cette saison vous plaît. J'espère que cette saison vous plaît. Genre, j'espère que. Je réserve des bons trucs. Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer, mais. J'espère que ça va être cool. Et putain, ça a changé, frère. Hein. C'est. Bizarre. Alors, depuis 2017, me cap. J'aimerais bien voir l'arc Ikebi Ezreal Mine. Oh. Oh. Ben, je sais pas si hypothétiquement, si je venais à reprendre le stream, est-ce que j'irais sur League? Je sais pas, frère. Hein. League, c'est stimulant, mais. En vrai, ça ferait du bon contenu à Grain. Ça me donnerait un cadre. Genre, je dois retourner dans l'époque où genre, j'ai mes boîtes à faire tous les jours. Genre, j'ai mon contenu à la chaîne à faire. Genre, le TikTok, la vidéo, le stream. Ouais, c'est quand même. Comme assez clair, assez rodé, mais je sais pas. Enfin, je me dis qu'il y a plus quand même, il y a plus. C'est cool quand même, c'était une bonne époque, hein. Genre c'est stimulant, mais je me dis il y a plus quand même. Je joue à stream ou pas du tout? Non, ça doit faire 3 mois que j'ai pas touché au jeu. J'avais une partie de l'OTP Riven. Ouais. Putain, c'était grave vidéo. Il vient stream pour récolter les subs comme des bonsies sur les gachas. C'est vrai que quand je lance un stream après un mois, il y a pas mal de serveurs. Mais quand je lance 2-3 streams après un mois, là le deuxième, le troisième, il commence à être moins rentable. Hein, c'est moins intéressant. Tu vois, c'est peut-être pour ça, hein, je lance un stream par mois. La vérité éclate au grand jour. Hein, grand jour. Non, je pense que faut que t'es sur du multigaming. Ouais, mais je t'avoue, du multigaming comme j'en ai fait pas mal les multigaming. Il y en a beaucoup qui étaient nuls à chier, frère. Hein. Genre, il y en a beaucoup, je sais pas, Kena, c'était nul à chier, frère. Bloon, c'était marrant pour moi, mais putain, regardez, ça doit être horrible. Quand même, c'était cool. Genre, je sais pas, il y a plein de jeux qu'on a fait qui étaient juste nuls à chier, hein. Genre, c'est juste nul. Tu vois, il faut bien choisir ces jeux multigaming, hein. Et tu vois, genre, quand t'es en multigaming, t'as pas de recensement, t'as pas d'exposition. T'as pas d'habitude, t'as pas vraiment de nouvelle pool, base de jeux de gens qui te découvrent. Bon, tu vois, c'est un peu investir beaucoup de temps pour pas grand chose. New Artisan. Je veux me mettre au montage, mais je sais pas quoi prendre comme clip. Comme clip. Je veux monter des clips. Qu'est-ce que tu veux faire, hein, comme montage sur un clip? Sur des TikTok? Je l'ai vu casser qui m'a tabassé en me disant que ton sub au prochain stream, salope. Je suis en amour. Bon, je suis en amour. Trop gentil, moi. En mode, putain, plaisir de te voir. C'est vraiment plaisir, hein. C'est cool, c'est vrai. Lune, c'était chill de fou. Ah, mais frère, hein, c'est parce que t'es autiste, c'est ça. C'est parce qu'on est entre autistes. Genre. Les gens normaux, je pense à Kiki. Enfin, genre, nous, on est en mode, wouah. Ouah, Monkey, envoie les fléchettes là. Mais ça, c'est trop cool, Bloons, mais au-delà de ça, frère, pour les gens normaux. Je ne suis pas sûr. C'est pas remporté gros le monde de gaming, mais bon, faut savoir s'y prendre. Genre, c'est commun qu'on s'y prend. Je t'avoue, je sais pas, hein, genre, je t'avoue, j'ai théoricraft le stream game pendant des années, et je sais pas comment le multigaming ça marche. Hein. Genre, à moins d'avoir déjà une fanbase de 5000 et qu'à chaque fois de. Que t'ailles d'un jeu à l'autre, tu sois la personne la plus recensée du truc, et t'attires à chaque fois genre des gens et des gens et des gens, tout en ayant genre un approvisionnement journalier ou hebdomadaire, à savoir un concept ou des collaborations pour pouvoir t'assurer genre de garder ta fanbase et de continuer à l'expandre. Genre sans ça, quand tu vois genre
des trucs journaliers ou même hebdomadaires ou même bi-hebdomadaires. Genre tu vois, sans avoir de trucs comme ça, le multigaming c'est pas sustainable. Faut déjà avoir une fanbase, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Et faut la charbonner, hein. Tu parles des crocodiles, mais par exemple, Crocodile et Marex, putain, ils ont charbonné Ligue. Hein. Vraiment, ils ont été ultra diligents sur Ligue. Hein, Ouais, maintenant je pourrais. À l'époque, j'aurais pas pu. À l'époque, j'aurais pas pu faire preuve de tant de diligence. Alors, frère, j'étais trop instable. Mais maintenant, ça se fait. J'avoue, maintenant, tous les trucs qui m'étaient impossibles avant, maintenant, je les fais. Easy, frère. I'm the catcher. Ouais, qui a tellement de subs alors qu'il avait déjà une fanbase de fou sur League. Ouais. Comment ça il a tellement de subs? Genre, il a perdu tellement de subs? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas combien de subs il a. Genre, lui, il avait déjà énormément de subs. Il a perdu, oui. Ok. Juste un OnlyFans avec tes pieds, le reste on s'en fout. Ouais. J'ai passé l'âge de tenter, trop habitué à mon confort et à avoir mon rythme. Je vis seul depuis mes 18 ans, ça me ferait trop bizarre de vivre avec des gens que je connais pas, je pense. Ouais, ça fait bizarre, hein. Genre, je sais pas c'est combien de temps du coup depuis tes 18 ans, mais... Ça fait genre... Là, les années que tu vis seul... Faut commencer à vivre avec quelqu'un. Je sais pas. Sortir de sa zone de confort, c'est bien, hein. Trouve-toi un coloc, là. Trouve-toi une coloc, un coloc. Sors de ta zone de confort. En espérant ne pas tomber sur un psychopathe, mais... Je sais pas, c'est... À sortir de ces zones de confort. En général, je trouve ça build une fanbase sur un jeu compétitif, issu sur du multigaming, c'est technique parmi d'autres. Ouais. Ouais. Bah, je pense que c'est la seule manière. Je pense sinon, à part avoir un pote qui est très très connu et qui te booste de baiser, frère, genre c'est pas possible autrement, hein. Je sais pas comment. Ils ont quoi du produit capillaire? Le bun. Attends, le... Alors je laisse pousser jusqu'à ce que je puisse faire le bun. Aux ondes Croco et Marek, c'était vraiment progressif. Pas de fou. Ils sont vraiment pris... la durée, hein. Vraiment vraiment aller doucement, hein. Genre vraiment bon, assurer le bail. On se reconnaît quand entre potes ça révèle vite certaines facettes des personnalités. Ouais. Genre, hein. Les colocs que j'avais pas trop apprécié, mais là je suis en coloc, c'est pas vachement bien. Ça faire depuis je sais pas, un mois, ça se grave bien. Le gars avec qui je m'entends beaucoup, du coup ça c'est cool, c'est bien. La transition gauchie, c'est underway avec cette coupe. Non, je me vois pas. C'est politisé. Je sais pas, frère. Ouais. Moi, je suis moi. Je suis partout. Nulle part à la fois. Je suis Batman, frère. Je suis Batman. J'ai dû compter, c'est 8 ans. Mais bah. En fait, des années seules, hein. Ah, moi j'ai. Attends, sur. J'ai commencé à vivre seul à 18 ans aussi, j'ai dû vivre en tout. J'ai dû vivre 9 ans tout seul. Et c'est pas si bizarre que ça de vivre avec quelqu'un, ouais. Quand tu t'y habitues vite. Ouais, au début, les premiers jours, c'est bizarre, mais vraiment, il y a 2-3 jours qui passent et c'est normal. Une semaine qui passe, un mois qui passe et c'est. Je vois même plus la différence. Ça le fait. Je connais la théorie, je suis à politique. Dis-moi en plus. Y'a qu'un ami là. Mais avec une copine. Je sais quoi. Triste. Coloc à 3 avec le petit chat. La politique, je suis de droite. Ouais, frère. Tout à droite. Je vois la diff. De quoi? J'avais un coloc russe à Berlin qui communiquait en crypté vers Moscou.
Au début, c'était pas dans de fou. Il s'est avéré que c'est l'humain le plus drôle que j'ai rencontré de ma vie. Comment ça, en crypté. Coloc russe à Berlin. L'histoire commence bien. J'avais un coloc russe à Berlin. Ah, c'est stylé ça. J'avais un coloc russe à Berlin. En fait, ça. Ça, c'est la première fois que j'utilise cette gourde, elle est vraiment pas mal. Hein. J'ai l'impression qu'elle est sans fond. Je continue de boire et il y en a toujours. Oh. Allez, 23h30 dans 10h vu le taf. Alors ça va. 10h frère. T'as même pas 15 minutes à pied. Ça va le faire, ça va le faire. Je sais pas. C'est par des raisons inconnues frère, j'ai jamais vu ça. Pire que Telegram, encore plus inconnu que Telegram, encore plus bizarre que Telegram. Déjà, les gens qui sont sur Telegram, je les trouve bizarres, mais au-delà, gros. Messagerie. Au-delà, frère. Ah, c'est déjà une heure qu'on enlève. Une heure qu'on papote, qu'on piapiate, là. Et, vas-y, frère. Je suis hyper clumsy. C'est trop mignon, la manière de l'écrire. Si belle heure, mec, fais le plaisir. Dans les mêmes 24, je me couche tard. Je sais pas. Hein. Ça veut dire que genre à 3h du mat, t'es là en train de taponner le meuble de la télé. T'as l'impression qu'il y a un tremblement de terre, parce qu'il que là qu'il est en train de dormir et. Bah, à moins que ce soit ça serait aller, non. Genre ça va le faire, non, c'est pas grave. Yonousni. Ça date, hein. Je suis là. Wow. Comme lui, ça s'est bien dit, pourrait récolter les... pourrait récolter les subs mensuels. De temps en temps, frère. Genre tu vois, le stream mensuel est rentable. Quand t'investis genre 1h, 2h, 3h, tu récoltes un petit paquet de subs. Mais pas plus, hein, pas plus. Pas plus de 2h. Et pas plus d'un. Pas plus d'un stream. Alors le deuxième stream est déjà beaucoup moins rentable et le troisième, pas besoin. Moi je suis manac, je préfère si j'ai le choix vivre tout seul dans une maison. Grande maison, moi. Maison tout seul, frère. Wesh. Maison tout seul. Quoi besoin Wesh. Le troisième, t'es pas un bénévole non plus. Frère. Content, c'est de l'argent, hein. Je crois quoi, je vais lancer des streams et être rémunéré à moins d'un certain montant par heure. Mec, j'ai posé une semaine sans sol le mois dernier pour faire 42. Et du coup, j'ai une semaine de salaire de moins. Et genre, je m'attendais à toucher 300 balles de moins que ce que j'ai touché, frère. J'ai eu mon salaire, je me suis dit, putain, ça c'est avec une semaine en moins. Carré, hein. Propre, sympathique, cool. Et le dev. Quand autour du Esmid. Alors, je sais pas, frère. Je sais pas, on va parler, mais je sais pas. Hypothétiquement, si je reprends le stream, je sais pas ce que je foutrais, frère. Hein. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, genre, on fasse des grands IRL tous ensemble, qu'on se tienne la main et qu'on est. Et qu'on parle. On parle. Et on s'écoute. Et on se soutient. Et on fait tout ça ensemble. Moi ça me ferait kiffer. En vrai, no joke, genre, faire un vrai truc comme ça, au mode une radio libre, truc où je parle avec les gens. Mais genre, tu vois, je suis très sensible au cringe, et il y a des moments où je sais pas trop comment réagir. Et du coup, genre, vraiment, les gens qui vont vouloir faire les intéressants ou des trucs comme ça, genre, j'ai trop mal à l'aise. Genre, je vais me sentir mal, tu vois, j'ai sûrement pas envie de... Une quoi, Ydir ? On baisera tous ensemble. On travaille dans un bar à Paris. À méditer, mec. C'est cool. Radio Libre, c'est pas une centaine de personnes sur le live, je trouve ça vide. C'est clair qu'on fera rapidement le tour. Hein, genre, il va y avoir 3 candidats. Même pas, 3 si on est gentil. Hein. Et au bout de 10 minutes. Bon, qui c'est le prochain ? Hein ? Qui c'est le prochain ? Quelqu'un est chaud ? Non, personne. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre en attendant alors?
90% ça a des problèmes avec des meufs. Ouais, mais je pense qu'il y aura bien 2-3 personnes qui ont des problèmes qui veulent en parler, tu vois, dont ils veulent parler, et ça peut être cool d'en parler. Après, genre, je sais pas, il y a quelque chose de décalé à le faire en public, à s'exposer en public. Genre, tu vois, quand c'est moi, ça va, vu que j'ai fait ma paix avec ça. Genre, j'ai accepté le fait d'être exposé, le fait d'être jugé, le fait d'être mis là sur une estrade, sur une scène, et d'être pointé du doigt et d'être jugé. Mais tu vois, quand c'est quelqu'un d'autre, quand c'est moi qui inflige ça à quelqu'un d'autre, genre, même si c'est délibéré, même si il le fait de son plein gré, genre, il y a quelque chose de bizarre à ça. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont le faire sans mesurer les conséquences. Tu vois, sans comprendre ce que ça fait d'avoir des gens qui te jugent, qui te pointent du doigt, qui écrivent dans un chat sur toi. Genre, tu vois, c'est... J'ai pas envie d'affliger ça à quelqu'un, tu vois. La foule publique, pas fou, je déteste. Ouais. Ça bah, je veux ça comme divertissement en plus. Ah mais tu vois, moi j'aimerais bien faire un truc sérieux, mais je saurais pas comment l'amener, frère. J'aimerais bien vraiment parler. J'aimerais bien pouvoir apporter des choses à des gens. Je suis sûr que ouais, genre je pourrais apporter un peu de truc à quelqu'un. Genre je pourrais, je sais pas, frère, faciliter, je sais pas, leur donner un peu de force, tu vois, le faire sentir moins seul. Ouais, genre je suis sûr que j'ai ce potentiel là. Avec pas mal de personnes, et j'aimerais le faire, mais tu vois, c'est quand même délicat. C'est pas comme si je pouvais, bon, la métaphore est nulle, mais extraire, je sais pas, une ressource de toi. Frère, je suis sûr que des gens veuillent des ressources que je suis capable d'extraire. Mais c'est pas comme si je pouvais extraire une ressource de toi et pas la jeter sur les gens. La métaphore est nulle, frère. Et genre, tu vois, genre ça se fait comme ça. Tu vois, c'est tout un processus. Genre, tu vois, c'est... Il faut la situation, il faut l'occasion, il faut prendre le temps, et c'est... Je suis extrait, non, frère. Non, je sais pas. Genre, tu vois, il faut une situation, il faut créer le moment, il faut parler, il faut prendre le temps, il faut bien choisir les mots, tu vois. Genre, c'est singulier, c'est pas un truc que tu peux faire à la chaîne. Aider les gens, c'est pas un truc genre en mode tu peux le farmer, genre en mode ouais, on va appeler 3 personnes et ces 3 personnes on va les aider, tu vois, genre c'est dur, tu vois, un protocole pour ça. Sinon, personne qui revient sur le stream, je le fais sûrement déjà, je sais pas, meuf, je sais pas. Je sais pas, j'aimerais quand même... Ça, tu vois, ça c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Genre, tu vois, genre qu'on ait un rendez-vous. Genre, tu vois, qu'on soit là et qu'on se retrouve. Genre, tu vois, genre comme Ponce. Genre, tu vois, ce que Ponce a, j'ai envie de faire la même chose. J'ai envie de le faire à ma sauce. J'ai envie vraiment de... Vraiment, on... Tu vois, genre, le live est lancé et... On se pose ensemble, on parle, on fait des petits trucs, genre sans prétention, et on est là, on s'apporte du soutien, et genre juste, on n'a pas à parler sentiments tous les moments, mais tu vois, on est juste ensemble. Tu vois, frère, on est juste là, gros. Genre, c'est cool. Genre, créer une ambiance, créer un rendez-vous, créer genre une communauté. Tu vois, ça me ferait vraiment kiffer. Tu vois, genre, mec, même si c'est une communauté de 20 personnes tous les soirs, frère, ça me ferait trop kiffer. Alors, tu vois, ça c'est vraiment un truc qui est trop trop bien. Je sais pas. Ça c'est vraiment un truc qui est trop cool. C'est quoi le nom de notre commu? Bah gros. Les frères. Avec plein de R. Je sais pas, frère. Faut être original, là. Je sais pas, ça vous trouver, hein. Je pense que vous serez plus... inventif que moi. Bonjour là pour toi, Kevin. Je pense que c'est moi qui ai envie d'être là pour vous, frère.
Alors, j'ai pas l'impression d'avoir été assez là pour vous. Il y a plein de personnes qui ont accordé une certaine importance à ce que je pensais ou ce que je faisais ou au contenu que je créais et je leur ai jamais rendu justice, tu vois. Alors j'ai toujours fait ça pour moi, j'ai toujours fait ça pour échapper au mal-être que je ressentais sans me rendre compte de tout le potentiel qu'il y avait derrière, sans me rendre compte de tout le positif qui était créé, enfin le positif qui était découlé, genre tu vois, qui en conséquence, qu'il y avait genre mode side effect, genre je me rendais pas compte, genre je pensais pas à ça et j'essayais pas de, tu vois, genre juste si j'avais souligné ça, si j'avais passé plus de temps à faire ça, genre j'en aurais tiré énormément de positif moi aussi. Et frère, c'est dans les deux sens, hein. Tu donnes du positif, t'en reçois, t'en donnes. Je laisse toujours aussi Tortine Rizzo. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi cette question, mec? Je laisse toujours des Greyman, d'ailleurs. Ouais, c'est quoi ces questions? Je déteste pas des Greyman. J'avais lu jusqu'à la fin des scans. Je sais pas si ça a repris depuis. À une époque, Solary avait fait un genre de libre antenne dans le genre pour aider les gens avec leurs problèmes perso. Je sais même pas s'il y a eu une des émissions. Ah ouais, ça s'est dépassé comment? C'est passé comment, frère? C'est le meilleur, bon. Arrête! C'est simple que tu faisais des vidéos YouTube et que tu n'étais pas sur Twitch. Vraiment, tu me redonnes le sourire du coup il y a 3-4 ans. Non, ça allait pas. Ouais, on m'envoyait beaucoup, beaucoup de messages comme ça. Hein. Enfin, vraiment, des dizaines et des dizaines de messages auxquels j'ai jamais répondu parce que je savais pas quoi dire. Et genre, je me disais, faut que je réponde. Et je répondais pas, frère. Et même là, il y a des mecs qui commandent des stories random. Genre, je dois poster une série tous les deux mois. Et une story tous les deux mois. Et il y a des mecs qui me disent, ouais, je te suivais en 2019 et tu me faisais trop kiffer. Et je vois le chemin que t'as parcouru et ça fait trop kiffer. Et je suis content pour toi, mec. C'est incroyable, gros. Mais je sais pas, j'ai jamais l'impression d'avoir vraiment rendu ce qu'on m'a donné. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir pris, mais jamais rendu. Et genre là, maintenant, genre, je suis pour la première fois de ma vie à un stade où j'ai énormément à offrir. Genre vraiment, là je suis capable de faire des merveilles, je suis capable de faire quelque chose, je suis capable de produire quelque chose, je suis capable d'être quelqu'un, je suis capable d'être là pour quelqu'un, je suis capable d'épauler quelqu'un. Et genre, tu vois, j'ai envie de le faire. Genre, bah frère, tu nous as pris quoi selon toi? De l'attention, du temps. L'attention et du temps. Ouais, sur Snap à l'époque. Putain, c'est longtemps que je suis plus sur Snap. Hein. Ça doit vraiment être à l'époque. Hein. Tu sais que tu détestais Alan Walker à l'ancienne dans tes condensés? Et c'était une blague, parce que mon blaze c'était Alan Walker. Enfin, mon blaze c'était le protagoniste de Dick Grayman. Il y a un mec qui m'a demandé, est-ce que t'aimes Dick Grayman? Alors que j'avais pris le protagoniste comme blaze, enfin le blaze du protagoniste comme blaze de perso, et c'était une blague. C'était évident, non? Ouais, genre, si je floque mon maillot CR7, on me demande, est-ce que t'aimes Cristiano? Je te dis donc, genre, frère. J'ai raté l'info, t'as arrêté la clope? Ouais, il y a... Ça va faire 4 ans dans quelques mois. 3 ans et demi, là. 3 ans et demi. C'est fou. J'ai arrêté l'alcool aussi, mec. Ça, c'est la news du moment. La clope, c'est Asmin, frère. Bien sûr, j'ai arrêté la clope. Là, c'est l'alcool. J'ai arrêté l'alcool, frère. Et genre, la dernière fois que j'ai pris des drogues, c'était en début 2019. Ouais. Du coup, ça fait 4 ans et demi. Ça va faire 5 ans. Et ouais. Ah ouais. Ça va faire 5 ans, mec. Dinguerie, hein. Je m'ai galé dans les streams tes vidéos et je m'avais bien rendu pour le coup. Je t'ai bien rendu là, je t'ai bien tonné, hein. Et t'as kiffé, hein. On était jeunes. Ah putain. Vieux daron que je suis maintenant. Et c'est cool, hein. C'est cool. J'embrasse totalement la trentaine que j'ai bientôt. Genre, ça va être banger. Genre, vraiment, mes trentaines, elles vont baiser mes vingtaines. Genre, ça va être 10 fois mieux. Ça va être 100 fois mieux. Déjà, là c'est trop bien. Une jolie idée, mais selon ton niveau d'empathie, ça pourrait être très pesant pour toi aussi.
Et je pense qu'on sous-estime trop le pouvoir de se sentir compris en écoutant une personne qui partage des choses qu'on peut ressentir sans réussir à les exprimer et qui met des mots dessus. Du coup, ton partage d'expérience, c'était plus utile que je le pense. Ouais, je pense vraiment... quelqu'un, hein. Je me suis beaucoup ouvert aux gens et il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en moi et qui ont... et qui se sont sentis moins seuls. Hein, tu vois, en mode... Alors ouais, il est comme moi, il y a des trucs, ouais, il y a des trucs, on me l'a dit, que les gens n'arrivaient pas à exprimer, que les gens n'assumaient même pas, et genre moi j'étais là à les dire, et j'étais là à en parler, et il y avait d'autres personnes dans le chat qui réfléchissaient là-dessus, enfin qui réfléchissaient en mode lumière, genre tu vois, ça rebondissait sur eux, genre en mode, tu vois, qui interagissaient avec ça, et tu vois, genre je sais que ça a fait sentir beaucoup moins seul beaucoup de personnes. Et c'est un truc de fou, mais tu vois, j'aurais pu faire tellement plus, j'aurais pu faire... Tu vois, genre... C'est un truc magnifique, mais c'est juste un bienfait collatéral. Tu vois, genre, ça a jamais été voulu, ça a jamais été maîtrisé, ça a jamais été emphasé, ça a jamais été cultivé. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Genre, ouais, je pense que j'ai fait du bien à des gens, mais... Il y avait moyen de faire tellement plus, tu vois. We're gonna make it, blah. Bien sûr, frère. Et là, déjà, j'ai 29. Ouais, t'as arrêté l'alcool, c'était pas indiscret. J'étais alcoolique, frère. Genre, je vais tous les soirs et genre, je faisais que fuir. En mode, dès que j'avais dépensé, dès que j'étais tout seul, dès que j'avais du temps libre, genre, je me mettais à boire pour anesthésier mes pensées, pour anesthésier mon cerveau et pour en profiter. C'est dur d'arrêter la clope. Ouais. Ouais, c'est dur, hein. Mais ça vaut la peine. Alors, pas parce que c'est dur qu'on fait pas les choses, on est pas des merdes. Alors, c'est dur, mais on le fait. Mais je vais pas te dire que c'est facile. Parce que le moment où tu vas être face au truc et que ça va pas être facile, tu vas dire ah, mais j'étais pas prêt, on m'a menti. Non, mais que c'est dur, il faut être prêt. Et tu gagnes plus que tu perds. Et tu gagnes beaucoup de choses à surmonter cette difficulté. Il faut trouver tes propres raisons d'arrêter et des raisons qui tiennent les moments où t'as vraiment envie de fumer et les moments où t'es vraiment en manque, frère. Dans mon cas, quand t'étais mal, j'étais dans le mal aussi, donc quand tu vois que tu vas mieux, directement ça m'aide aussi, tu vois. Je veux dire, frère, j'espère que toi aussi ça va mieux. C'est plus difficile d'aider dans ton cas que dans le nôtre. Comment ça? Crée une résonance. Un bon mot. Pour le club, j'ai la vapoteuse. C'est peut-être facile, ça. Et quand j'ai arrêté la club, c'est vraiment tout arrêté. Hein. Plus de vapoteuse non plus. Hein. Pas de patch. Après, arrête comme tu veux. Ouais. Alors, plus facile de se mettre à la vapoteuse puis d'arrêter la vapoteuse que d'arrêter d'un coup. C'est le dernier masculine, quelle grâce. Ouais. Je sais pas si y a une solidarité féminine comme ça aussi. Yeah. Ouais, genre. Je sais pas. Ouais, y a des mecs, je sais, on se comprend. Genre, je. Je sais pas, j'arrive pas à ressentir la même chose avec des meufs. Genre, en mode. Moi, en mode, je sais ce qu'ils traversent. Tu vois, je. Comme mon proche, tu vois. Après, c'est culturel, hein. J'imagine des gens qui grandissent à l'autre bout du monde, tu me sens moins proche d'eux aussi, hein. C'est normal. Des gens qui grandissent différemment. Mais bon, j'ai réussi à développer des relations amicales avec des meufs et c'est cool. Cool. Du coup, elles me paraissent moins étranges maintenant. Elles me paraissent moins... C'est pas qu'elles m'utilisent des frères. Alors que les mecs, on s'encule, là. Je suis culé de ce que les gadis peuvent vivre hors troll. Ouais. C'est dommage, genre que. Tu vois que chacun pense. Qu'il y a plein de mecs et plein de meufs qui pensent que c'est plus dur d'être un mec et c'est plus dur d'être une meuf. Ouais, je serais. Alors, le problème, c'est d'être humain, je pense. Hein. Le problème, c'est plus d'être humain que d'être un mec et une meuf. Il doit y avoir beaucoup de trucs qu'on ressent tous les deux et qu'on vit tous les deux qui sont partagés et dans lesquels on pourrait se soutenir. Tu vois, genre. Il y a des trucs où ça. Où tu t'enlèves littéralement la moitié des alliés possibles sur cette terre, genre juste en décidant
identifier des problèmes à un genre, ou je sais pas, ça marche pour tout, frère. C'est chiant. Pas fun. Ah mec, j'ai deux lumières dans la gueule. Celle-ci et celle-ci, elles me démontent les yeux. Surtout que j'ai passé toute la journée sur des écrans. Passé toute la sainte journée, genre les yeux rivés sur mon PC. Alors là, en plus, avoir les lumières dans la gueule, deux écrans, il y a des lumières partout, des couleurs partout. J'ai une lumière violette dans la gueule. Alors, j'ai le spot là, pour la galère, frère. La galère, mes pauvres petits yeux, là, j'ai plus 20 ans, hein. J'ai plus 20 ans, c'est plus de mon âge, toutes ces bêtises. Faire toute la journée derrière des écrans. C'est vrai que c'est con de se faire des échelles de souffrance entre genres plutôt que de juste écouter. Ouais, ouais. Je sais pas, il y a beaucoup de cas où les gens font ça et c'est pas qu'une question de genre. Moi, des gens qui vont dire « Ouais, c'est parce que je suis comme ça et uniquement comme ça que je vais mal et tu peux pas comprendre ce que c'est cette douleur et il y a que les gens qui ressentent ça, là, qui peuvent la ressentir et ils sont là à se repousser les uns les autres, frère. » C'est ridicule. En ce moment, je taffe. Et je me suis fixé pas mal de petits objectifs et du coup, je l'ai fait. J'ai fait la piscine de 42, ça s'est fini vendredi dernier. Là, lundi, j'ai repris le taf. Et là, j'aimerais bien me lancer dans un projet. Et réfléchir à quel projet ça pourrait être. Je veux des lunettes de repos parce que les grands me flanquent les yeux. Peut-être pas mal, hein. Mais j'ai pas des bonnes expériences avec les lunettes parce que quand j'en mets, je sais pas, j'ai l'impression que ça me fatigue les yeux justement. Comme dev développeur. Oui, un peu casse-couille des fois. Comment ça, mon frère, t'as 29 là? Pas 29, 23. Non, 29, hein. Mec, je pourrais être le père de certains d'entre vous. Hein. Commence à sortir cette phrase de plus en plus. Hein. Mec, ils vont avoir 22 ans. Je vais ressortir, je pourrais être ton père. Comment tu vas être sur le même plan avec ça? Quand t'as trouvé cet intérêt pour le dev, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui pourrait me faire kiffer. Une prédilection avec internet et les ordinateurs. Et toujours intéressé. Sans que jamais que j'essaye. Mec, j'essaye de faire la Goggins, l'exercice de muscu. Et du coup, j'ai fait 100 reps. Non, j'ai pas fait 100 reps. J'ai fait 100. Ouais, 50-50. Du coup, c'est 100. Et de chaque côté. Et genre 75 reps de chaque côté. Genre. Ça bute, hein. Ça bute. Ça fait mal. Et puis, je faisais moins de reps, plus lourd. Là, je fais beaucoup moins lourd. Beaucoup plus de reps. C'est. Ça tabasse. Genre là vraiment je sens que ça a travaillé. Et l'exo là, genre triceps, biceps et pec. Ou les plus basiques des trois. En vrai comme projet une libre antenne. Ouais mais ce serait quoi une libre antenne frère? Genre ce serait quoi différent dans le DJ setting? Ouais genre en mode ce qu'on fait là, ce serait quoi un... Ce serait quoi de différent? Genre j'ai un invité. Et j'invite des gens parce que genre en plus je suis pas sûr que... Ça pourrait marcher d'inviter des gens, genre qu'on soit assez, que les histoires sont intéressantes, je sais pas frère. Ouais, la salle quand j'arrive sur Paris. Vas-y. Je vais pas à la salle parce que j'ai la flemme de taper les heures de pointe. Et genre j'ai la flemme de me lever à 6h du mat. Enfin c'est soit 6h du mat, soit les heures de pointe. Mais bon pour ça, on fera les choses différemment. On fera les choses bien. Mais sans durer, ça écoute en rep. Frère, moi je me dis. Fais des exercices. Ça doit brûler des calories. Là, je veux juste brûler des calories. Alors, techniquement, je soulève plus lourd sur plus de reps que je fais. Je soulève plus lourd en faisant ce poids avec ces reps qu'en faisant ce que je faisais avant. Genre, plus lourd, mais avec moins de reps. Genre, soulève plus de poids. Parce que, genre, je fais ça genre plus de fois. Alors, le ratio, tu vois, le. Genre, rep fois poids. Est plus gros. Genre du coup je me dis l'effort est plus grand. Et voilà.
Ma réflexion s'arrête là. Du coup, c'est bon. Tu l'as du temps commencer à faire des lives TikTok. Ouais, frère, c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi tu crois pas? Des invités et un thème. Mais c'est quoi un thème d'une libre antenne, frère? Bon, c'est précis un thème d'une libre antenne. De. Surtout que moi, je sais pas, genre. Je suis très libre l'antenne si c'est un thème. Donc, en fait, du sport, c'est l'essentiel, on va bouger et transpirer. Ouais, gros, c'est primordial, faut se bouger. Là, c'est amélioratif ou péjoratif, mais des streams tous les soirs de pleine lune, c'est un peu notre aide annuel chez le psy. Ouais, ça, c'est cool. Genre, on pourrait faire ça plus souvent, mais que c'est toujours sympa de parler. Hein. Et que c'est toujours. Hein. Ah, c'est. Je sais pas. Il y a beaucoup. Oh, pardon. Putain, je commence à être KO. À bientôt aller faire dodo là. Mais tu vois, il y a beaucoup de. Attends, je vais éteindre cette lumière. Enfin, ça change. Il y a beaucoup de. Je parlais de quoi De fois où parler en stream, ça me porte beaucoup plus que de parler à un pote ou parler à des potes. Genre juste m'ouvrir en stream, avoir plein de réactions et pouvoir interagir avec les gens qui réagissent. Genre c'est souvent plus épanouissant et plus défoulant et plus productif que voilà des potes. Et là, je papy. Putain, ça va beaucoup mieux les yeux là. Ça vraiment, elle me tabassait cette lumière. Ça veut dire qu'un bassin me prend des viewers en appel. Ouais, mais. Et putain, c'est. Pas chaud pour faire comme Bassem, mais le concept, pourquoi pas? Mais bon, la comparaison, je m'en désolidarise. Oh, le petit son chill là. Minuit 00. On est le 4 octobre 2023. Et est-ce qu'on est riche? Et toi oui, mais moi non. On a changé le monde. Et toi oui, mais moi non. On a rendu fiers nos proches. Ouais, quand même. On peut la rendre beaucoup plus fière. On est fiers de nous. Ouais, ça va. On peut faire beaucoup plus. I feel it coming. I feel it coming. Yo Béné. On est riche du cœur. En avant les frères, faut être riche. Vu que j'ai vu des Oudir Ralph Lauren, 190 balles. Genre il était beau sa mère. Il avait l'air doux. Et genre tu dois sortir au max quand tu prends ça frère. Un petit Oudir Ralph Lauren, ça c'est stylé. J'ai envie de mes talents de danse. Carré ça. Danseur en herbe là, carré. Tu es toujours à la scène e-sport, genre t'es par les Worlds. C'est quand les Worlds? Non, je t'avoue, j'ai rien suivi depuis. J'ai regardé, je suis allé au KCX, KCX 3. Et à part ça, j'ai pas vu un match de League depuis. Je sais pas, 2 ans? Je sais pas, non, j'ai dû voir un match de League. Le dernier que je me souviens, c'était il y a 2 ans par le KCX, mais. Mais voir. J'ai dû voir à un moment ou un autre un match. I feel it coming. C'est peut-être pas la peine d'insulter la mère, tu peux venir. C'est toi, toi. Vas-y, mec. Gros cœur sur toi. Et désolé, encore une fois. C'est nul. J'espère que t'es encore là, hein. Parce que là, j'ai... J'espère que t'as entendu, hein. Oui, sur tous ces derniers. Sur... La rédemption. J'ai d'être associé à de mauvais souvenirs. Bonne soirée. Non, carré, t'inquiète. Vas-y, prends soin de toi. Gros cœur sur toi, mec. Des petits cœurs et des gros cœurs. Bisous, mec. On dirait le nom d'une monture de fus. Pétule Balcoculus. Ouais. C'est quoi ce blaze?
Ça, c'est cool le stream, mec. Mais genre, si on venait à stream plusieurs fois, qu'est-ce qu'on pourrait bien foutre? Bah, frère. Bah, des fois. J'aime pas faire les choses sans but. J'aime vraiment pas faire les choses sans but. J'aime me dire que je vais quelque part. Du lol. Putain. Oh, mec, je suis KO. Encore se brosser les dents, se mettre en glaçon et. Oh putain, faut. Ranger le linge et étendre la machine. Je fais une machine. Oh, la flemme. Y'a Semiraj qui sort soon. Oh, je suis loin d'Asemiraj, frère, je suis à C3, moi. Oh, tout la fosse de l'émeraude. Émeraude, putain, c'est facile à atteindre, frère. Oh putain, comment je suis KO, frère. Ça va faire un gros dodo là. Il est minuit 7. Putain, mec. Le temps passe trop vite avec vous. Déjà 1h35 de live. Vas-y, faites responsable. Ça va aller se pieuter là. Vous devez regarder les refs. Asper usual. Les 3 become human, c'est vrai qu'on l'a toujours passé. Hein. Sérieux, putain, dormir à poil. Je sais pas. Je sais pas. Le contact de mes couilles et la position qu'elles ont, frère. C'est pas agréable. J'aime bien quand il y a un truc qui les tire quand même. Oh putain, mec, je suis vraiment KO. Bon, là dans un mois pour récolter mon prochain sub. Ah, ça stream un peu plus dur, un peu plus tôt. Merci beaucoup d'avoir regardé la ref. Je vous dis pas que je vous aime parce que vous le savez. Je suis comme un père absent. Parce que j'ai lâché des autres pères. Ça se trouve, il y en a qui sont plus vieux que moi, c'est obligé. Non. Je suis comme un père absent, frère. Mais c'est un plaisir. Alors, soit des bâtards. Je vous aime chacun à votre juste valeur. Pendant que je sors plus de vidéos, c'est le plaisir de voir que tu vas bien. Moi, je te souhaite à toi et à tes viewers une bonne nuit. Et à toi aussi, Mohamed. Ça me fait plaisir d'écouter une petite demi-heure. Ouais, bonne nuit, le ref. Au cœur sur toi. Merci beaucoup. Vas-y. Vous faites plein de cœur, plein de bisous. Et à plus tard pour un prochain live. Je vais réfléchir à ce qui pourrait être intéressant de live et comment le faire. Et je pense qu'on va faire du League of Legends. Il est chica, mon frère. Je vais me déboîter la mâchoire. Bisous. Et à plus tard.